Salut, bienvenue dans Jeux de Puissance. On a pris l'habitude d'analyser les jeux de certains joueurs. Cette fois-ci, j'ai décidé d'analyser celui de Rasmus Dahlin, le premier choix de 2018, qui joue pour les Sabres de Buffalo et qui fait vraiment une super saison, à tel point que certains pensent même qu'il pourrait se battre contre Pettersson pour le trophée Calder, celui du meilleur rookie. On va tout de suite regarder ses stats. Rasmus Dahlin, c'est 28 points, 5 buts et 23 assistances. 20 minutes et 40 secondes de jeu en moyenne par match. Et plus 9 en plus minus. Il est le 6e joueur qui a amassé le plus de points avant ses 19 ans. Il faut dire que ce jeune homme n'a que 18 ans. On va tout de suite analyser ses jeux en commençant par le premier shift qu'il va faire lors du match contre les Blue Jackets de Columbus. Allez, c'est parti. On peut voir que Rasmus Dahlin, dans son premier shift, va tout de suite attaquer grâce à cette frappe mal cadrée. Il va revenir en défense tranquillement. Et on va voir en bas de l'écran le voir revenir alors que ses coéquipiers attaquent. Toujours dans cette idée d'aller de l'avant. Malheureusement, l'attaque échoue. Il revient en arrière. Là, il va avoir un mauvais changement des deux côtés. Un changement un peu difficile. Et on va voir que les Blue Jackets ont fait une ligne de défense au niveau du centre. Dahlin peut faire une passe à Bogosian à gauche ou renvoyer le palet sur la balustrade. C'est ce qu'il va faire. Et vous allez voir, ça va permettre une contre-attaque à 3 contre 1. Et voilà, un but facile grâce à Rasmus Dahlin et son intelligence, le fait d'avoir rejeté le palet par la balustrade que de choisir un jeu plutôt défensif. Cinquième présence de Dahlin dans ce match. Et là, vous allez voir un super jeu du joueur. Il va faire ni plus ni moins qu'un slalom. Bon, il rate après sa petite feinte, mais ça permet à Thompson d'aller marquer le troisième but des siens. Regardez ça, il passe entre les deux joueurs des Blue Jackets. C'est vraiment encore un jeu exceptionnel. Un jeu qui n'est pas sans nous rappeler celui contre les Penguins de Pittsburgh, où il avait mystifié Malkin avant de tirer au but. On revient au match avec les Blue Jackets, Dahlin est en bas. Et une fois qu'il a le palet, il n'hésite jamais à tirer vers la cage. Comme on va pouvoir le voir une deuxième fois à ce moment-là, il a le palet, il tire vers la cage. Là, on va accélérer un peu. Ce qui nous amène à voir Dahlin de nouveau avec le palet. Cette fois-ci, il n'hésite pas à aller vers l'attaque. Une petite interférence sur l'attaquant des Blue Jackets, ça fait jamais de mal. Et bim, voilà le but. Dahlin a encore participé à ce but, il est encore sur la patinoire. Ce joueur n'hésite jamais à se porter vers l'attaque, ce qui peut être, à mon avis, parfois un peu dangereux quand même. On retrouve Dahlin contre les Sharks de San Jose, c'est en overtime. Il a le palet. Et vous allez voir, ça va un peu cafouiller au niveau des Sabres de Buffalo. On peut même dire que c'est lui qui est un peu responsable, cafouillage. Et là, Erik Karlsson va partir tout seul en attaque. Et grâce à un super geste défensif de Rasmus Dahlin, Erik Karlsson ne va pas pouvoir mettre en danger le gardien des Sabres. Là, on accélère et on va voir une nouvelle attaque des Sabres de Buffalo, et quel geste magnifique de Dahlin qui fait une sorte de grand pont sur Karlsson et qui permet à Jeff Skinner de récupérer le palet et de marquer à la plus grande joie des entraîneurs des Sabres. Vraiment encore un super geste. Dahlin est vraiment un super défenseur, très très porté vers l'attaque, qui va vraiment faire plaisir aux fans des Sabres de Buffalo. Il va grandir d'année en année et ça va devenir sûrement un des meilleurs défenseurs de la ligue. C'est sans aucun doute que cela va être un des joueurs déterminants pour les années à venir. Peut-être qu'on pourra compter sur lui pour aller gagner une Coupe Stanley du côté des Sabres. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire un petit like, un petit commentaire ou à la partager. Et moi, je vais continuer à faire des petites analyses comme ça. J'espère que ça vous plaît. Ciao, ciao !